Salut l'investisseur malin. Écoute, je suis très heureux de t'accueillir dans cet endroit atypique, exceptionnel. C'est la chambre du trésorier. Nous sommes au cœur du Palais des Papes à Avignon, en Provence. Et en fait, cet endroit-là, c'est chez nous. Ça va être le lieu du premier séminaire des investisseurs malins qui aura lieu le samedi 30 novembre 2019. Tu vois cette pierre-là sur laquelle je suis en train de m'asseoir ? C'est le 13e siècle. Christophe Colomb n'avait même pas encore découvert l'Amérique. C'est pour te dire que vraiment, on est dans un lieu exceptionnel. Il y aura une centaine de places ici dans la chambre du trésorier. Donc évidemment, ça va vite partir. Et pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'avoir une place cette année, ne vous inquiétez pas, on organisera d'autres événements. Mais vraiment, ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, ok, maintenant tu vas me dire, c'est bien beau le Palais des Papes, mais sur le fond, on va parler de quoi? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Eh bien, je te le dis tout de suite. Le titre de l'événement, ça va être « Augmente ton kiff ». Mais kiff avec un cul, pas avec un K. Ici, le Palais des Papes, c'est quand même pas par hasard. Tout un symbole. En fait, nous allons parler des 4 commandements pour devenir un investisseur aguerri. Le premier commandement, c'est maîtrise les équilibres financiers. Nous aurons ici un banquier qui t'expliquera comment il analyse les forces et les faiblesses d'un dossier. Nous aurons aussi un coach en développement personnel qui t'expliquera quel est le mental qu'il faut avoir pour comprendre comment aller vers le plus s'agissant de l'argent. Commandement numéro 2, comprends le monde des investissements. Nous allons avoir des experts qui vont te parler de l'immobilier, des grandes familles de placements financiers, les placements qui font que tu deviens gagnant. Je pense même que nous allons avoir un battle de certains experts et Instagrammeurs que tu vois régulièrement sur les réseaux. Commandement numéro 3, dompte les règles du capitalisme. Peut-être qu'ici, tu auras tes premières idées pour devenir un entrepreneur et créer de la valeur et de la richesse. Et si tu n'es pas entrepreneur, tu auras aussi des intervenants qui te parleront de négociation, ce qui te permettra de l'utiliser dans ton quotidien, que ce soit pour mieux négocier un bien immobilier ou peut-être tout simplement négocier ton salaire pour être payé à ta juste valeur. Et enfin, le commandement numéro 4, celui-là, il me tient particulièrement à cœur, défends tes droits et ton argent. Et sur ce commandement numéro 4, tu auras une avocate, avocate fiscaliste, une notaire, et je te parlerai aussi là des bonnes formes juridiques à adopter lorsque tu lances ton projet, ton entreprise. On parlera aussi de régimes matrimoniaux, de fiscalité, bref, de sujets qui sur le papier peut-être te semblent très complexes, mais on t'expliquera en quoi c'est utile à ton quotidien et en quoi c'est comme ça que tu protèges ton capital et que tu pourras un jour le transmettre à ta famille et aussi bien sûr pour en profiter toi-même. Allez maintenant, assez parlé, je vous donne rendez-vous ici le 30 novembre 2019. Ce sera du concret, de la grosse valeur ajoutée. Allez, ciao. Newcom.